Salut, la dernière fois, on s'est arrêté un petit peu soudainement aussi. On revient à la maison avec une petite sauvegarde automatique, donc on suppose qu'il va se passer quelque chose. Alors, depuis l'aube des temps, notre ordre des élus a gardé le secret pour communiquer dans les profondeurs où réside le grand ancien. Pour préserver ce secret sacré, il est fondamental de suivre ses règles. Nos enfants ne pourront pas avoir accès à l'instruction publique, mais devront suivre une instruction spéciale qui leur enseignera le secret de l'univers obscur. À 18 ans, ils devront participer au rituel d'initiation, et s'ils réussissent à survivre, on leur confiera le médaillon personnel qu'ils utiliseront pour accéder au lieu secret. Le médaillon est extrêmement important, il ne devra pas être perdu pour aucune raison. Quand un élu mourra, le rituel du trépas se déroulera en son honneur. Son médaillon sera posé dans le cercueil afin que le défunt puisse l'utiliser pour ouvrir les portails du monde souterrain. Sur la pierre tombale, il y aura l'image du grand ancien afin qu'il puisse veiller sur le défunt pendant son voyage dans les profondeurs. Le système pneumatique est géré par quatre soupapes dont une de réserve en cas d'urgence. Pour que le système puisse fonctionner, on doit ajuster la bonne pression dans les tuyauteries d'alimentation du système. Mais il est fondamental de ne pas fournir plus de pression que nécessaire. Dans ce cas, l'installation pourrait provoquer une explosion. Le système a été calibré pour obtenir la juste pression de cette façon. Soupape 1 moyenne, soupape 2 minimum, soupape 3 moyenne. Si une des trois tuyauteries d'alimentation est endommagée, le système peut être alimenté par la quatrième conduit, qui peut remplacer le conduit qui ne fonctionne pas. Mais en étant plus petit, on doit considérer que sa capacité est inférieure. Moyenne, minimum, moyenne. Moyenne.
descendant de cette lignée et tout est prêt pour le kidnapper. La machine est déjà en marche, ça prendra du temps avant que le portail s'ouvre. Certains d'entre nous sont en train d'aller à la cage pour arriver sur la Terre et kidnapper le descendant. Je vais bientôt les rejoindre. Le tunnel souterrain pour arriver à la plateforme n'est pas sûr, donc je vais traverser le roi. Si nous sommes chanceux, le descendant pourrait entrer dans le portail spontanément. Et quand nous arriverons à la cage, nous pourrions trouver là, dedans, à nous attendre. Mais désormais, nous ne sommes plus que quelques-uns et j'espère qu'au moins l'un d'entre nous réussira à le rejoindre. Mes origines, je suis un des descendants de ce dieu monstrueux. Ces créatures ont voulu me capturer pour en prélever le sang et l'utiliser pour un rite diabolique contre leur dieu. Je ne peux pas croire que mes ancêtres étaient des monstres. Cette situation est une pure folie et ne peut pas être vraie. Je tenterai d'ouvrir le portail, mais le passage se fermera.
C'est pour ça que le pseudo au début est important. Je voulais éteindre le feu avant de partir, parce que je veux que je connaissais la fin. Mais apparemment, c'est inévitable. Essayez un truc rapidement. Ah, salaud, il le bloque. Eh, on peut pas. Et voilà, un patasson, un truc tiré sur Lovecraft, fallait pas s'attendre à une fin super sympathique. Bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai trouvé le jeu quand même assez chouette, plutôt court, donc franchement on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Même quand on l'a déjà fait, en fin de compte j'ai eu quand même des petits sursauts quand même, hein. Même si je l'avais fait très très récemment. Donc à faire 2-3 fois, je pense que ça passe plutôt bien, donc je vais acheter sur Steam pendant une promotion, donc je l'avais pas acheté super cher, ça valait le coup, hein. Franchement c'est sympa, genre, ça change un petit peu, en plus j'ai pas fait de jeu d'horreur pour l'instant sur la chaîne, mais je veux pas que ça devienne un truc, hein. C'est déjà assez fait en général sur YouTube, mais voilà, en temps en temps c'est sympa, j'espère en tout cas que ça vous aura bien plu, et puis écoutez, bah, je sais pas c'est quoi le prochain jeu que je ferai, mais on verra bien. Allez, à bientôt les gars, salut à tous.